Ouais, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit peu spécial, je m'apprête à partir sur le lac de Paraloux, lac que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont entendu parler de ce lac au moins. Comme certains le savent, je travaille au Décathlon à Portet-sur-Garonne, donc au rayon pêche bien évidemment, et donc je vais participer à une formation sur 2 jours de perfectionnement de la pêche du carnassier organisée par Victor, et on va y avoir plusieurs intervenants et notamment des vendeurs d'un petit peu toute la France des rayons pêche, où on va pouvoir découvrir un petit peu plus en détail la gamme de produits qui est sortie il n'y a pas longtemps chez Decathlon. Ils ont sorti des nouveaux leurres qui sont vraiment sympas. On va pouvoir pêcher avec, découvrir vraiment les leurres, les spécificités, savoir vraiment comment les utiliser et les utiliser en action de pêche pour prendre du poisson. Donc ça devrait être intéressant. Donc on part pour 2 jours de formation. Je pars un petit peu plus tôt pour faire un petit coup du soir avec Pierre, que vous avez déjà vu dans quelques vidéos, et mon collègue Julien avec qui je monte là-haut. On va faire un coup du soir et après on va attaquer sur 2 jours de formation. Donc toute la journée à pêcher avec la gamme des leurres Quimperlan et des leurres qu'on a à Decathlon également. Et ensuite le soir, on va faire un petit coup du soir avec des leurres perso, etc. Et ensuite le lendemain, on réattaque sur une journée de pêche avec du leurre de la gamme. On va essayer de prendre du poisson. Des nouvelles que j'ai, ça touche pas mal au crank. Donc j'ai pris quelques cranks perso et j'espère qu'il y aura des cranks pour pêcher les bordures. Il y a des belles pêches à faire normalement en bordure sur les perches notamment. On va essayer de voir si on ne peut pas prendre quelques jolis brochets aussi et quelques cendres peut-être. Il paraît que c'est un peu compliqué de prendre du cendre, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire, peut-être en vertic ou quoi. J'espère qu'on va pouvoir prendre du poisson et s'amuser durant ces 2 jours et demi à peu près sur le lac de Paraloux. Il risque d'y avoir peut-être 2 ou 3 vidéos, je vais voir, on verra bien. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez aussi découvrir un petit peu les leurres qu'il y a chez Decathlon, surtout sur la gamme Quimperlan, et voir que ça a quand même bien changé et que maintenant on commence à avoir des leurres vraiment sympas et qu'on peut prendre du poisson avec. Bon, allez, je vous fais pas plus patienter. On se retrouve au lac de Paraloux. Yes! Je suis sur l'épisode. Ouais, je vois. Non! Yes! Quand ça souffle, ça souffle. Putain, si je commence maintenant à me foutre dans les branches, moi. Poisson. T'as mis quoi? Je suis bi. C'est 8 perches. Je suis 8 perches. C'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit. Poisson. Ah. Déjà. Ah, j'allais dire tu me fais une petite photo, elle s'est décrochée. Dommage. T'as quoi du coup Julien? Une trocha de 150 oranges. Ouais. Poisson. C'est vraiment lent, hein. C'est vraiment lent. J'ai pris plusieurs tables juste avant. Ouais, mais toi je t'avais dit. Pour ralentir ça là. Ouais, j'ai cru aussi. Voilà. J'ai un petit poisson. On crank doucement, vraiment, faut. T'as raison, hein, c'est vrai. J'ai pris plusieurs tables juste avant. Ouais, ça fait tac tac. Et doucement. Putain, oui. Hey, c'est boule quoi. Je vais descendre à l'heure en vertique, on sait jamais quoi. C'est parti.
sur un malentendu, ça peut passer. Faut la gamme du dessus pour pouvoir le relier au bout. Ah, il le faut pas, lui. Poisson. Oh, c'est bon. Coffrer le 4 pouces. Tu vois, t'as appris, hein, j'aime vraiment le dessus. Je m'attendais à un beau fish, du coup j'ai fait effort. Hein. C'est un petit poisson, mais je m'attendais à... Ah, c'est sympa, hein, ah, j'ai senti une frappe, je me suis dit, bah ça va être joli, quoi. Peut-être un cendre, hein, dans le doute. Ah non, ça ne frappait plus, mon cendre. Pendu. Joli. C'est pas dégueu. C'est pas vilain, non ? Non, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Okay, il m'aura fait le cendre de Parlou. C'est pas possible. Et si je te l'aurais fait, ouais, le cendre de Parlou, moi. Yes ! Ça, ça fait plaisir. Belle frappe. Il a fait le cendre de Parlou. Tu fais une petite photo ? Ben oui. Yes, parfait. Ouais. Allez, hop. Repart. Ils sont pas tous morts. Merde, ça se l'a dit. On vient tirer la casquette. Après, milieu de lancer, ouais, milieu de en fait, elle montée du fond. Ouais, tu vois arriver dans les moments, c'est ça. Quand tu fermes, tu vois le reflet. C'est ça, exactement. Ouais. Et des plusieurs suivis, elle sortait pas, elle venait pas du bord, en fait, elle montait quand ouais, on passait. Là. Alors, c'est pour ça que il vous faut viser, chaque fois que vous voyez un poste, à la limite de là où vous voyez plus le fond, ouais. Ou des trucs légèrement décalés, tu vois, cette tache noire par exemple, tu peux très bien avoir une grosse perche ou un brochet qui se pose dessus, il est caché. Ouais. Tu vois, tu le verras pas. Alors que s'il se pose sur le clair, tu le verras. Et lui, il le sait, donc il y va pas. Par contre, s'il voit ça, il va se mettre là. Si tu as un gros bloc, des fois, tu distingues un gros bloc comme ça, là. Et ben, tu peux vraiment avoir un poisson qui se met dessus. Je crois que tu as le frein qui manque un peu, ouais. Oh. Ça, c'était une perche. Je pense pas que je touchais le fond là. Ah, j'ai pris un atout. T'as des gros blocs là, tu vois, on voit des soit j'ai touché, noires. Tapé sur un bloc méchant, mais je pense pas que le leurre il descend assez profond. 3 mètres. Hein, quoique. Peut-être qu'il est descendu assez profond. Serre vachement, faut laisser plus ouvert, c'est plus libre du coup. Là, t'as vu, du coup, ça le bloque. Ouais, ouais. Du coup, ça a tendance à se mettre dans le. À chercher un poisson. Poisson, ouais. Yes. J'avais pris deux tapes. Elle est pas mal en plus. Ouais. Tu vois, pour pas hésiter à décaler. Pas mal de trucs qui sont. Dans la zone des trois, tu vois, là on a un enfant. Tu l'as pris dans trois, t'as un enfant. Ouais. Elle est mignonne celle-là. Ouais, pas mal. On va faire une petite photo. Avec le petit crank des 4. Voilà. Yes. Parfait. Le petit poisson, hop. Là, là, j'ai pris deux tapes. Ouais, c'est un amorce plus dur. Quand j'arrive à 5 mètres. J'arrive. Poisson. Tu vois ? Ah, t'avais raison. Elles sont plus en décalé. Elles sont vraiment en décalé. Et pas trop être attiré par. Ah, il y en avait d'autres derrière. Ouais, ouais. Ton meilleur allié, c'est la zone où tu vois pas le fond. Ouais. Elles sont plutôt là. Surtout là, aux heures où il y a énormément de lumière sur les bordures, elles se sentent pas en sécurité. Elles se sentent trop flag. Ouais, ouais. Il y a une barre là. Devant, il y a une barre, ouais. Tu la vois là, ouais. Ça, c'est un brochet, sûr. Essaye d'y passer. La tête, elle est vers là. Tu vois, il est comme ça, la tête, elle est là. Là, là.
Ah là, t'es pas mal. C'est là comme ça. Voilà, on le voit bien. Ciao. Oh putain, oui, il est beau. Mmh. Ah ouais. Ah là, il y a un pépère. Enfoiré, le bloc. Putain, faut le voir. Hein. Ouais, faut le voir. Il est maîtrisé. Oui. T'as vu comme il est gros? Quand il part, il fait ah ouais, regarde le bordel. S'il n'est pas maîtrisé, il était pas loin quand même. Ouais, hein. C'est un joli fiche. Hein. Poisson, c'est joli. Allez, allez, c'est beau ça. C'est plus joli. Ouais, c'est beaucoup. Enfin, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus joli. Je sais pas, ça sent plutôt le brochet. Sinon c'est une grosse grosse perche. Ah mais dis-toi, il y en a les fattes ici. Hein. Sinon c'est une très grosse perche. Ah c'est un broc. Ouais. Ouais, c'est un broc. Le petit broc en spinning, ça fait toujours plaisir. Ouais, brochet. Il est pas vilain en plus. Ouais, hein. Mike. Ouais, il est joli. Allez, ça chante là. Oui, dans le vent comme ça. Désolé. Vas-y, vas-y. Madame, t'inquiète pas. Je l'ai pas pris en fait. Oui monsieur. Et voilà mon brochet. Alors je manquerai par là, attention parce que ça va bouger. Nickel. On met le leurre aussi. Ouais si tu arrives. Je m'y travaille. On devrait le faire. Allez. On m'a mis quelques dents. Ouais. Il y a les brochets qui sont vraiment bien verrouillés avec le plus. Ouais. Vraiment que tu le prennes là, après tu remontes jusqu'à l'os. Là, c'est ça, mais je l'avais en fait, ouais. Mais après quand il a bougé, j'ai, vu, ouais. J'ai le doigt qui est rentré juste sur les dents du haut, là, au-dessus de, du palais là. Moi je mets toujours les gants. Yes. Toujours pas prêt. Je vais remettre les ouais. Bon après c'est pas méchant, ça m'a juste mis le tout. Ouais, mais bon, mais c'est ça. Tu promets de la journée, tu vois. Ouais. Va sur une destination où tu fais 40 brochets par jour, mon gars. Ouais, là. Le premier jour, tu peux plus pêcher le lendemain, mon gars. Yes. T'es rongé. Ouais, ouais c'est ouais. Sûr que là. Non, le petit cran Caperlan, il a fait le taf. Bah oui. Le Dobson. C'est de la tuerie, mon gars, ce cran. C'est de la frappe, hein. Il se lance très mal, par contre. Non, ça veut pas. En spinning, il part trop bien. Putain, cette touche, enfoiré. Oh, la frappe que j'ai prise, je sais même pas s'il me reste encore le leurre, quoi. Désossé le leurre. C'est un peu d'eau. Ah ouais, là, en linéaire. Linéaire. Ah ouais. Boum. Là il est. Cette fois, je l'ai pas loupé quoi. Ah là, je l'ai eu. Yes. Enfoiré.
Cette fois, il l'a pris, quoi. T'as lancé dans la même zone, en plus, non? Là, je l'ai pris tapé là, et là, je l'ai pris là. Linéaire, hein. Mais vraiment à planer au-dessus du fond. Yes, bah j'ai mon sang de maillé. Oh, poisson. Oh, il est joli. Il est joli. Ah, il y était, tu vois. Allez, allez, tranquille. Mets la canne un peu plus bas. Cool. Bien joué. Ouais, il est pas... Oh, il fait 60. Ouais, bien, il est. Bien joué. Putain, yes, quoi. Je me suis dit... Il est mort. Oh, il est ressorti. Un petit lancer sur la bordure, ça paye pas de mine. Il ne fait jamais sur la bordure, hein. Ouais. Allez. Yes. Bien joué, mon gars. Merci Jean-Mi. Bien joué. C'est bon ça. Ah putain, j'avais dit qu'il fallait qu'on en fasse un quand même sur la zone. Ah bah ouais, quand même. Oh, moyen, ouais. Yes. Voilà. On va mettre un peu plus. Voilà. Un petit 55. Ouais, c'est ça. Bien. Joli. Ah, je suis content, les gars. Bien joué. Bien, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Il y en a d'autres. Tu me le réalises. Ouais. Allez, Bichette, trop tard. Ben voilà. Magnifique ça. Allez, il va grossir. Poisson. Tu vois, tu sais qu'elle nous prenne. Ah, sous le bateau, elle a pris. Je l'ai vu taper, quoi. Hop là, j'ai les petits poissons. Allez, il faut me décaler, le poisson. Hein. Décaler pour... Un peu plus loin. Yes, un beau poisson. Ouais. Tu me feras une belle photo avec le leur capeur là. Ouais, on l'a vu. 44. 44, on annonce, monsieur Jolas. Ah oui, 44, ça le fait là. Hein. Ouais. Elle a aucune couleur, zéro couleur. Oh là là. Tu vois une épaisseur ? Tiens. Elle est un peu mal piquée. Elle est montée de loin pour te le chercher, je te le garde. Ouais. Mais au bateau en plus. Elle a tapé au bateau, ouais. Allez. Magnifique quoi. Regarde, wow. On monte tout. Ouais. On va les mettre à l'abri la baraque qui est juste là, puis on reprendra après. Bien joué mon gars. Ah ouais. Et t'as pris au bateau, hein. Au bateau. T'as vu? La boue. Le truc est remonté. Ah ouais, j'ai vu que c'était gros parce que j'ai vu ta canne. T'as pris une grosse branlée.